Après l'effort, le réconfort. Ce samedi 13 mai, Teddy Riner est une nouvelle fois ressorti vainqueur des championnats du monde de judo qui se tenaient à Doha au Qatar. Le judoka est allé chercher son 11e titre mondial, 6 ans après le dernier, en s'imposant en finale contre Tazoev. Un retour au plus haut niveau à moins d'un an des JO de 2024. Ça a été très dur pour moi. J'ai eu une nuit blanche. C'était dur. Mais quand on travaille, ça paye, même quand c'est dur, s'est réjoui le sportif de 34 ans au micro de la chaîne L'Équipe, en précisant qu'il allait désormais prendre un peu de repos, et savourer quand même. Un nouveau titre après autant de temps d'absence, je vais le savourer. Et il ne s'est pas fait attendre. Après la victoire, c'est auprès de sa fille de 5 ans, Isis, que Teddy Riner s'est empressé d'aller passer du bon temps. En témoigne une story partagée sur Instagram quelques heures après la fin de la compétition, où le papa partage un adorable moment de complicité avec sa fille venue l'affronter sur le tatami. Il semblerait que la fillette maîtrise déjà les meilleures prises, puisqu'elle a réussi à mettre son père KO. En deux temps, trois mouvements. Seules les mauvaises langues diront qu'il s'est laissé faire. En tout cas, la relève est peut-être assurée pour le champion. Teddy Riner peut compter sur le soutien de sa compagne Lutena Plokus en plus des encouragements de ses deux enfants, Eden et Isis. Teddy Riner peut aussi compter sur le soutien infaillible de sa compagne, Lutena Plokus, qui partage son quotidien depuis 13 ans. C'est en 2007 que les tourtereaux se sont rencontrés, lors des championnats du monde de judo à Rio. La jeune femme, qui travaillait au service communication de Lagardère Unlimited, n'avait à l'époque jamais entendu parler du judoka. Au fil de leur rencontre, ils deviennent d'abord amis avant de laisser place quelques années plus tard à une belle histoire d'amour, qui dure et qui participe à l'équilibre du sportif. Quand je sors de l'entraînement, j'avoue que je file à la maison retrouver ma femme et mon fils. J'ai hâte de partager mes soirées avec eux, d'autant plus que ce n'est pas toujours possible avec mes déplacements et mes compétitions. Ces petits moments construisent un homme, un foyer. C'est aussi ce qui constitue le bonheur, tout simplement. Dans la vie d'un sportif, c'est une force. Assurait-il à Paris Match en 2015. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jérémy Meloul.